Oui, bonjour. Aujourd'hui, passons notre aventure sur Twin Saga. Donc, la dernière fois, on avait avancé jusque dans le. Donc, on avait fait la barrière magique parce qu'il y avait des claquefleurs qui embêtaient le monde. Et du coup, on avait retrouvé quelqu'un qu'on connaissait d'avant qui s'occupe des plantes, qui est une elfe aussi, il me semble, si je me souviens bien. Donc, on va aller voir ça, puis on va voir ce qu'on va devoir faire par la suite. Puis on verra bien en avançant dans l'aventure. Et puis, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve directement sur le jeu, c'est parti. Link start. Hop, voilà. Du coup, hop, démarre ici. Alors, c'est vrai qu'on est aussi monté à quelques niveaux. Voilà. Du coup, il faut aller à la racine de l'arbre de vie. Du coup, hop, je vais lui parler. Merci pour votre aide. Ces échantillons vont m'aider à mettre au point un remède. Mais c'est. Eleonore semble avoir découvert quelque chose. Elle regarde le spécimen incrédule. Vous demandez à Eleonore ce qui se passe. J'ai découvert une toxine inhabituelle dans les racines. Eleonore pâlit. Cette toxine absorbe le mana de l'arbre. C'est pour ça qu'il est malade. Cela ne fait aucun doute. Heureusement, l'antidote est à portée de main. Un fruit volant pousse dans les environs. Le spirofruit. Il faudrait que vous me rameniez quelques-unes de ces graines, moyennant quoi je pourrais sauver cet arbre. D'accord. À mon avis, et juste après, il y aura un boss. Vu la. On va récupérer. Ah oui, il en faut quand même 12. Allez, on va faire ça pour aller un peu plus vite. Pourquoi il faut toujours qu'il vienne vers moi comme ça? Pas possible. Moi je veux qu'il reste loin. Allez, on est même pas à la moitié là. C'est plutôt long, hein. Ça va, c'est plutôt rapide quand même, même si c'est assez long. Je sais, c'est contradictoire ce que je dis.
mais ça commence vraiment à être long. À force, ça va, on s'en sort plutôt facilement à savoir ce qu'il faut faire. Ouais, c'est le dernier. Et voilà. Par contre, avant. Du coup, on a obtenu celui-là qui est un bleu. PNX plus 2%, donc c'est bon. Hop. Super, merci. Cela devrait suffire pour sauver l'arbre. Donc du coup, on va pouvoir avancer dans notre mission principale. Donnez-moi une minute, j'ai presque fini. Il faut d'abord réduire les spirofruits en poudre, puis ajouter de l'eau et de l'extrait de zéphyr, comme l'indique l'antique formule. Du renard prépare l'antidote, l'air guiré. Attention derrière vous! Vous faites volte-face, un rat-garou encapé se jette sur vous, une lueur sauvage dans les yeux. Je m'en doutais qu'il y avait un boss juste derrière. Meurs, félon! Comme au ralenti, vous vous emparez de votre arme et repoussez l'attaque. Qu'est-ce que vous voulez? Et le renard semble terrifié. Silence, je ne vous laisserai pas guérir l'arbre de vie. L'assassin ne semble pas prêt à discuter. Votre arme bien en main, vous vous préparez à combattre. Allez! Hey, hop. Hop. J'avais pas vu ça.
Voilà. Quoi? Ah oui, j'allais dire. Non mais c'est bon, je l'ai battu. Ils m'ont fait peur là sur le coup là. Mais qui était-ce? La voix d'Eleonore tremble légèrement, manifestant. Elle est encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Vous regardez la plaque d'identification que porte l'assassin. Le symbole de la Légion des Ragarou y figure. Quelque chose vous dit qu'il n'a pas agi seul. Mais c'est horrible! Ces monstres veulent nous empêcher de guérir l'arbre. Et ils sont prêts à nous tuer pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Je n'aurais jamais imaginé que des gens souhaitent empêcher la guérison de l'arbre. Cette pensée semble profondément attrister Léonore. Si ça se trouve, ce sont même eux qui l'ont rendu malade. Si c'est le cas, c'est carrément abject. Quoi qu'il en soit, l'antidote est prêt. Allons guérir l'arbre de vie. Et du coup, on va récupérer quelque chose pour avoir plus de place dans l'inventaire. Du coup, la marque devrait disparaître. Je viens de voir qu'il y avait une marque sur l'arbre. Oui, il faut le niveau 35, oui, d'accord. Bon, on va vite y passer. Excellent, le mana afflue comme un beau jour et les villageois sont de nouveau en pleine santé. Tout est revenu à la normale et Léonore paraît soulagée. Nous devrions avertir le doyen pour rentrer au village sans tarder. Allez hop. Direction le village. Je vous donne une fière chandelle. Le destin nous joue des sorts, pas vrai? Vous vous sentez mieux maintenant? Vous êtes de retour. Quelles sont les nouvelles? Dites-moi tout. Le doyen se précipite à votre rencontre. Comme vous pouvez le constater, je me sens beaucoup mieux. J'ai une pêche d'enfer. Le doyen a bien meilleure mine. Il semble même être en pleine forme. D'ailleurs... Tout le monde au village se sent beaucoup mieux, et notre arbre de vie est hors de danger. Grâce à vous, je ne sais comment vous remercier. Mélias, nous avons été attaqués alors que nous étions sur le point de guérir l'arbre. Et Léonore montre au doyen la plaque d'identification que portait le rat Garou. Hop, du coup, ça on va pouvoir le mettre. Hop, ici. Vous voulez dire que c'était volontaire? La cruauté de certains est sans limite. L'expression d'Amélias trahit son malaise. Pour tout vous dire, le village a également subi des attaques de rats-garous ces derniers temps. Heureusement, on peut compter sur Cathy et sur le garde que pour nous protéger. D'ailleurs, il n'y a pas eu de victime. Peut-être est-ce lié à votre arrivée au village? Nous avons envoyé la garde à la recherche de la base des rats-garous. Ils manœuvrent vers le nord en ce moment même. Vianney et Cathy vous estiment beaucoup. Si vous en avez le temps, partez les retrouver et aidez-les dans leur quête. Alors, du coup... Inspectrice, traîneur, officier... Au cœur du bourg Racin, dans la forêt lunatique, vous détectez une étrange aura. La plaie. Nous sommes vraiment en sous-nombre. Un peu plus loin, vous voyez une elfe à l'air inquiet. Mais qu'elle paraît... Quel pourrait être le rapport avec l'étrange aura de la forêt lunatique? Vous décidez de parler à la jeune elfe pour en savoir plus. Oh, un voyageur, je suis l'inspectrice Alphée. Bienvenue dans la forêt lunatique. Je ne cherche pas à vous alarmer, mais la forêt n'est vraiment plus aussi sûre qu'avant. Faites attention, voulez-vous? La forêt n'est plus aussi sûre qu'avant et les habitants craignent grandement pour leur sécurité. Le problème, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas de patrouille qui passe par ici. Qui plus est, faute de temps et de moyens, je vais devoir abandonner mon enquête. Dites-moi, vous m'avez l'air honnête et plutôt puissant. Pourriez-vous, par un heureux hasard, enquêter sur les problèmes récemment survenus dans ce bois? Alphée semble avoir grand besoin d'aide. Elle a l'air si désespérée que vous acceptez de l'aider à percer le mystère de la forêt lunatique. Merci infiniment. D'après les données que j'ai récoltées, les créatures qui rôdent dans la forêt lunatique sont de plus en plus agressives. Dans un premier temps, nous allons devoir les apaiser.
J'ai concocté cette pause silencieuse. Elle vous permettra de les détendre pendant un petit moment. Tenez, essayez-les sur les carpochoux. Alors du coup... Toi, je t'ai pas demandé de m'attaquer. Hop. Voilà. Fallait pas me chercher. Intéressant, ma potion de chasse fonctionne plutôt pas mal finalement. Nous allons avoir le temps de reprendre un peu notre souffle. Loué sur la bénédiction de l'arbre de vie qui nous a aidé à garder le contrôle de, sur cette forêt. J'aimerais donc bien ce qui a pu causer cela, mais je crains qu'il ne s'agisse de l'œuvre de quelque force maléfique. Nous devons en apprendre plus. Hop, comme ça on passe niveau 35. Non, on n'est pas passé niveau 35. Zut alors. Vous et Elfée, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez découvert, tentant de chercher une raison pour cela, à tout cela. Patatras! Une forte détonation redentit. Vous sursautez et accourez tous deux vers la source du bruit. Oh. Ça sent être une attaque aérienne. Encore elle? Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Tiens, mais c'est Chéri. Je parie qu'elle est venue ici pour accomplir quelques dangereuses entreprises. On dirait que c'est elle qui a causé tout ce remue-ménage. Déjà, on va faire ça. Bonus de coup critique. Celui-là. Voilà. Ça, c'est bon. Il manque pas grand-chose. Une jeune fille gît par terre, inconsciente. Elle n'a pas l'air blessée du tout. Voilà qui vous soulage grandement. Tiens, mais c'est Chéri. Pourquoi est-ce qu'elle balance des bombes partout encore? Et là, je peux? Oui. Ça, comme ça, c'est bon. Et ça, on pourra le revendre. Il n'y avait pas un truc que... Ça, c'est classe. Journal de quête. Personnage. Pierre étoile, non. Talent. Classe. Le quête, sac à dos. C'est pas dans le sac à dos. Évolution d'équipement.
Ou alors. Plus de parchemin. Il n'y avait rien d'autre qui était pour le niveau 35. Ah bah du coup je vais mettre... Allez hop. Quel abruti, j'aurais dû regarder ça avant. Ça hop. Donc attends, ça à vendre. Ça à vendre. Ça à vendre. Ça c'est niveau 45 donc pour le moment ça on peut pas. Ça on n'a pas ce qu'il faut. Donc tout le reste c'est bon, c'est tout. Hop. Fusion. Mais du coup, hop, ça qui est parti, on est d'accord. C'est une sélicopolienne qui habite ici depuis quelque temps, mais si elle est plutôt maladroite et timide, même si elle est plutôt maladroite et timide, elle se donne toujours corps et âme pour aider les villageois dans le besoin. Elle est si adorable que les habitants l'aiment beaucoup et dire qu'elle s'entraînait à balancer des bombes dans le coin. Attendant qu'elle se réveille, elle nous dira peut-être pourquoi elle faisait cela. On dirait qu'elle va mettre un peu de temps à regagner conscience. Les spirofruits miasmatiques des environs contiennent des fruits de la quiétude. Pouvez-vous en rapporter quelques-uns? Ils devraient aider à sortir Chéri de son sommeil. Bah, à mon avis, on va s'arrêter là et on ira faire ça la prochaine fois. Donc, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et laisser un petit commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le cloche à côté pour ne rien rater d'autres vidéos. Juste à côté du bouton s'abonner, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet de sponsoriser la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour voir un peu les avantages que ça vous offre. Hein. Dans la description, vous retrouvez tout ce qui est mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mon Twitch où je fais mes lives en direct et où je fais des giveaways aussi en direct. Donc, n'hésitez pas à me follow dessus. Hein. Vous avez pas mal de choses dans la description qui vous permettent d'avoir des jeux gratuits, d'avoir des points pour avoir des jeux, pour avoir de l'argent dans les jeux, comme avoir comment ça s'appelle, des V-Bucks sur Fortnite ou des points Riot ou tout ça sur LOL. Donc n'hésitez pas à les regarder tout ça. Hein. Donc bah, sur ce, je vous dis à la prochaine, dans la bonne humeur. Surtout n'oubliez pas, restez positifs.